Des milliers de Congolais forcés de trouver refuge en Angola pour échapper aux violences dans le Kasaï central, a rapporté le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les violences se sont accentuées dans cette province congolaise depuis que les forces de sécurité ont tué le chef de la milice Kamuina Chapu. Selon le HCR, ils sont plus de 20 000 à avoir franchi la frontière angolaise à Dundo, dans la province de Lunda Norte. Les gens arrivent dans des conditions désespérées. Ils sont sans eau depuis des jours parce qu'ils ont marché à travers la forêt pour traverser la frontière sans nourriture. Ils arrivent vraiment malades. Nous avons reçu ces derniers jours beaucoup de blessés qui ont été transportés prioritairement par des hélicoptères de l'armée. Plus de 400 personnes ont été tuées dans le conflit qui oppose l'armée à la milice Kamuina Champu. Environ 1 million d'autres ont fui leur maison. Les violences dans le Kasaï sont un lourd fardeau pour le président Joseph Kabila, dont la décision de rester au pouvoir, en dépit de l'expiration de son mandat en décembre dernier, a provoqué des remous dans différentes provinces de la République démocratique du Congo.